amis, ben voilà, on se retrouve en petit groupe, on va se faire une petite trace GPX after taf autour de l'accro. Alors voilà, sortie part bien, plus de batterie sur la XS, je pense qu'il a pas supporté la sortie pluvieuse, il y a dû avoir de l'eau qui est passée et ça m'a vidé la batterie, je suppose, on verra ça à la maison. Là tu es content d'avoir acheté la tige de sel aussi à XS, comme ça tu peux récupérer la batterie et la mettre dessus et sauver ta sortie. Allez, après une petite portion de route de 500 mètres, c'est parti. Toujours le petit chemin, ça commence à monter un petit peu maintenant. Oh putain, ça permet de libérer un petit peu la pression de la journée, ça fait du bien. Franchi. Parti, petit morceau descendant, je peux pas baisser la selle, j'ai plus l'habitude de rouler sans la selle baisser. C'est fou comme dès que tu changes tes habitudes. Ce petit sentier. Oh putain que c'est dur sans tige de sel. Je suis vraiment pas bien vu. C'est horrible. J'ai l'impression de passer sur l'avant à chaque aspérité là. Impressionnant. Mais comment vous faites pour ceux qui bougent pas la tige de sel, sans déconner? Ah, je vais faire mon chapeau. Après, c'est peut-être le temps de trouver ses repères, mais je sais pas. En tout cas, gauche, gauche. En tout cas, c'est vraiment sympa par là. Bon, là on est un peu plus loin dans le parcours, je sais pas où. Et la trace elle est bien, bien sympa, un peu plus large, mais un petit peu à l'ombre, un petit peu au soleil. Il fait bon, il fait beau. C'est top. C'est reparti pour une petite bout de descente. Aïe, ça fait une caillasse. Fait baiser. Merci les gars de me laisser passer devant, que je connais pas. Oh. Aïe. Oh. Oh. Alors j'ai baissé la tige de sel, j'ai mis la batterie parce que j'y arrive vraiment pas. Et celle-là devrait être un petit peu technique. On part pour le tour. La tige de sel en bas, c'est beaucoup mieux. Attention, serre à droite. Ah putain, il y a la broche. Si c'est cassé, alors ça y ferait pas de mal. Hein.
quand c'est comme ça, n'oubliez pas de mettre deux doigts derrière vos leviers de frein, histoire qu'une branche vous fasse pas freiner sans que vous le vouliez. Le fait de mettre deux doigts derrière, vous maintenez un petit peu vos freins. Oui, une branche de dérailleur. J'avais pris une branche de dérailleur. C'est bien technique. Oh, non, pas en poussière. Pas de vitesse. La merde. Oh, ça tabasse dur, hein. Allez, c'est parti. Oh, oh, oh. Attention sur le dérailleur. Attention, il y a un rocher sur la droite. À prendre beaucoup de vitesse et c'est technique, alors qu'il en faudrait un petit peu. Du coup chaque impact tu ramasses un petit peu. Ouf, une trace dans le calbut là. Allez, c'est reparti. Ouh. Ouh. Là, il m'en marre avec une. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une branche qui m'a freiné. J'ai pas eu le temps de remettre mes doigts derrière. Pfiou. Bon, une bonne descente bien technique là. Elle était géniale. Le seul petit bémol, c'est que vu le niveau, on n'arrive pas à prendre beaucoup de vitesse. Enfin, moi perso, j'arrive pas à prendre beaucoup de vitesse. Du coup, voilà, tu ramasses vachement dans chaque marche parce qu'il manque un petit peu de vitesse, quoi. Allez, c'est reparti pour une petite ascension sur route non tournée, mais dans la couelle à l'ombre, vachement agréable aussi. Allez, on redescend chercher les copains. Il était pas loin. Encore un joli petit single. Ah, aïe, c'était une branche. Ah, ça descendouille un peu. Belle vue. Bon, ben, c'est avec ces deux petites descentes en DFCI que pour moi va se clôturer le ride after taf. J'ai pas le temps d'aller faire le tour pour aller chercher la super descente sur le fenouiller. Ça fait déjà du bien, ça a bien détendu le bonhomme.
c'est top. Si vous avez le temps d'en faire, je vous conseille, parce que ça fait du bien au moral et surtout ça fait travailler. Bon ben voilà, on a quitté les copains, on se rend tranquillou à la maison, donc j'ai manqué un petit peu de temps, mais c'est pas grave, au moins je suis sorti, j'en ai fait un bout et je suis heureux, c'est l'essentiel. Allez, je vous dis à plus les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.